Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Donc on va aller faire un tour du côté des enfants. Donc on retrouve un peu les mêmes couples qu'au côté adulte, à savoir la petite queue de cheval pour les filles et la crête pour les filles et les garçons d'ailleurs. Enfin là j'ai pris une petite fille, du coup on va lui laisser comme ça. Au niveau des chapeaux, il n'y en a pas. Au niveau des accessoires, c'est comme pour les adultes, masque tuba et les fleurs. Au niveau du maquillage, il n'y en a pas. Donc on va lui enlever les accessoires. On va aller voir au niveau des vêtements vite fait. Côté look prédéfini, on a littéralement littoral. Et puis c'est tout. Donc du côté des vêtements enfants, on retrouve quelques tops, hein, comme chez les femmes. Celui-là est plutôt joli, j'aime bien. Un t-shirt un peu plus chaud. On a aussi ce petit top. J'aime bien. Ça pour l'instant, dans l'ensemble, ça me plaît bien. Il y en a un petit peu moins, mais bon, c'est mignon. Ça doit être un maillot de bain, je pense. Du coup, pour un maillot de bain, effectivement, c'est sympa. On va aller voir les bas parce qu'il n'y a pour l'instant que 4 hauts. Donc, un peu comme pour les adultes, on a des petites jupes un peu traditionnelles, pareo. Celle-là est très sympa, j'aime beaucoup. Encore un pareo. Alors, ce qui est très bien, je trouve, c'est que c'est pas les mêmes modèles que pour les adultes. Donc, c'est vachement bien, je trouve. Ça fait vraiment de la diversité. Des pareos du coup un petit peu plus courts. Je suis allée trop loin. Un short avec je sais pas, un petit pull attaché autour. Un petit short tout mimi. Voilà la plage. Et bien sûr un petit pan histoire d'être dans l'ambiance couleur locale. On va aller voir, est-ce qu'il y a des tenues corps entier? Oui, il y a des tenues corps entier. Donc il y a la tenue pour aller nager, très bien, éviter les UV, le froid, tout ça. La petite robe traditionnelle, ça j'aime beaucoup beaucoup, je trouve ça très mignon. C'est pareil, c'est des modèles qu'on n'a pas chez les adultes, donc je trouve ça sympa. Même celle-là, c'est super joli, là, l'espèce de... En fait c'est une chemise avec un pareo noué en dessous, au niveau de la taille, c'est super sympa. Après on a un nouveau maillot de bain, très bien. Et on... Oh j'adore. Mais c'est trop beau ça. J'adore cette petite robe. Espèce de petite robe de plage, c'est magnifique. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme accessoire. Ça a l'air d'être un pantalon... Un legging ou un pantalon. Attends, on va voir si on enlève ça, qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est un petit legging. Sympathique, très bien. Et au niveau des chaussures, est-ce qu'on a de nouvelles chaussures? Oui! Oh, j'adore les petites claquettes avec une petite fleur sur le dessus. C'est trop mignon. Et ça, c'est quoi? Oh, encore des claquettes. Ça aussi, j'aime bien quand ils font des trucs comme ça pour les enfants, des donc. Bon, du coup, on va aller voir chez les petits garçons, mais j'ai un peu peur. Oui, bah du coup, on retrouve la même coupe qu'on a déjà vue tout à l'heure. Pas de maquillage, bien sûr. On va aller voir les tenues. Alors, j'espère que... Ouais, enfin, j'espère... Espoir perdu. J'espérais que ce soit un peu plus fourni que chez les hommes. Bon, une petite chemise ouverte, ça, c'est sympathique. Ou le fameux t-shirt qu'on avait aussi côté... Côté filles, on va voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Bah en bas c'est les mêmes. Il y a juste celle-là en plus je pense. Sinon je pense que c'est pratiquement les mêmes que. C'est les mêmes que chez les filles. Est-ce qu'on a un corps entier? Oui, on en a deux. Bah les mêmes que chez les filles, à savoir la tenue de plongée et le maillot de bain. Bon pourquoi pas. Du coup au niveau des accessoires, rien n'a pas. Et au niveau des chaussures, bah, on retrouve les tongs de tout à l'heure. Voilà. Donc effectivement il n'y a pas grand chose non plus mais bon on commence à avoir l'habitude malheureusement pour les hommes. Donc on va aller voir maintenant les bambins. Ah bah les bambins ça va être vite fait, il n'y a pas de nouvelle coiffure, il n'y a pas de nouveau chapeau, il n'y a pas d'accessoires, ok. Au niveau des hauts, on a juste un petit haut genre t-shirt de plage anti-UV ou de baignade d'ailleurs. Du coup en bas
Ah, en bas, c'est sympa. Donc, on retrouve un petit pareo tout mignon. J'aime beaucoup ça. Un petit short de bain, ça aussi, c'est sympa. J'imagine qu'il vient dans plein de couleurs. Donc, voilà, la petite jupe qui fait toujours très couleur locale au niveau des accessoires. Oh, trop bien! Ça, c'est la bonne surprise du pack. On a des petits brassards. Je sais pas si c'était déjà connu, si c'est moi qui débarque de ma cambrousse, mais c'est trop bien ça. J'adore. Est-ce qu'on a des chaussures? Bon, on n'a pas de chaussures. Bon, alors, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais rien que pour les brassards, ça vaut le coup, j'adore. On va aller voir si côté fille, on est un petit peu mieux lotis. Bah non, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de maquillage, nanana. Au niveau des tenues, c'est trop mignon ça. C'est trop trop beau. Oh, le petit maillot de bain, il est trop beau aussi. Et la petite... Oh, elle est magnifique. J'adore. C'est trop 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 beau. Est-ce qu'on a des bas? Oui, bah c'est les mêmes que chez les garçons. Et pas d'axi. Bah les bouées aussi, voilà, nickel. Et pas de chaussures non plus. Bon, bah voilà, on a vite fait le tour. Bah, comme pour tous les autres tranches d'âge, c'est quand même beaucoup plus fourni chez les femmes que chez les hommes. Enfin, c'est franchement la déception, quoi. Oh.